59. Dans 32 temps, 4 murs, un final. Donc, on va démarrer le pied droit. On va faire un rocking chair. Ça va donner 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait un chassé droit en avant et un step down quart de tour. Je vais leur expliquer ça. Donc, ça c'est rocking chair, donc on step devant, on step derrière. Chassé droit en avant, donc droite rejoint droite. Step down, pied gauche devant et on pivote vers la droite. On fait ça avec les comptes. 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. La deuxième section va partir sur la droite. Donc on va faire vers la droite. Donc quand vous avez fait le step down, le pied gauche va croiser dans le pied droit. Ça va faire 1, 2, croise derrière 3, 4 et 5, 6, 7, un recette. Croisé devant pied droit. Donc on monte, on a fait le step down. On part tout de suite pied gauche, droit, pied droit. Ça fait 1. Le 2, je décroise. Le 3, je croise derrière. Le 4, je décroise. Et là, je fais un recette du pied gauche, croisé devant pied droit. Et ensuite, pour finir la section, je fais un chassé gauche, quart de tour. On fait ça avec les comptes, donc on a fini 7, 8 et on commence, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois, on a fini tout le secteur, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Depuis le début, on rentre une chair, chassé, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4. Chassé droit, quart de tour, la vaille, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va faire un tour complet avec deux chassés, chassé droit, chassé gauche. Donc, on va commencer par le chassé droit en arrière, dans le demi-tour, ça fait 1 et 2. On va enchaîner avec un chassé gauche en avant, dans le demi-tour, 3 et 4, qui donne un tour complet. On va faire ça depuis le début et on va faire le tour complet, 3. 4, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, la vague, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et on tourne, 1 et 2, 3 et 4. Et on va enchaîner avec un jazz box, quart de tour, qui va donner 5, 6, 7, 8. Donc quand vous avez fini le chassé, en faisant le tour complet, donc chassé droit, chassé gauche, on enchaîne avec un jazz box, donc je croise devant, je fais quart de tour, je décroise et je croise. Plus que 1 8. Depuis le début, tout doucement, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2. 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Pour terminer, on va faire un side rock, donc du coup à droite. 1, 2, et on va faire un sailor step croisé devant. Side rock et back side cross, croisé. Back side cross. Et on fait pareil à gauche, sauf que là on fait un crosser step du pied gauche. Je l'en mets là pour vous montrer, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le side rock, on va croiser derrière, décroiser, croiser devant. Et pareil à gauche, sauf que l'on fait un coaster step. Et quand on est là, on redémarre la danse. On refait pareil sur le bon mur. Donc ça donne 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et on redémarre la danse. On va faire deux murs sans s'arrêter. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc tourner. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et début. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, on tourne. 1 et 2, 3 et 4, et je vois 5, 6, 7, 8, et side, rock, by side, cross, et side, rock, coaster, step. Donc, quand vous allez arriver à la fin du 11e mur, donc vous serez là, vous avez un petit final vraiment facile. Donc, en fait, quand vous ferez le side, rock, by side, cross, au lieu de continuer sur le deuxième side rock, vous allez juste faire un quart de tour. Et maintenant, ce sera fini. Donc, ça va donner du coup 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, c'est terminé. Donc, ça, c'est au 11e mur.